Les amis, il y a Bowser du film Mario Bros qui a attaqué la Pat' Patrouille. Vous commencez à bien connaître, je pense, ce type de vidéo de Pat' Patrouille. Tout simplement, aujourd'hui on est avec Bowser. Du coup, c'est lui qui a attaqué la Pat' Patrouille et accompagné de Mario. On va devoir faire toutes les missions pour libérer tous les personnages qui sont dedans. Heureusement pour nous la team, c'est que les chiens de la Pat' Patrouille sont en vacances. Donc il n'y a aucun chien de la Pat' Patrouille dedans, que des personnages de Mario. Oui, bah sinon ce serait pas drôle. Donc si je dois faire une petite déduction, je pense que à l'intérieur de la tour de la Pat' Patrouille, tout simplement, pour avoir Yoshi, Todd, Luigi ou bien la princesse Peach, bien évidemment. Mario, qu'est-ce que t'en penses, toi, avant qu'on y rentre? Je pense qu'on va devoir vite l'arrêter parce que sinon on va faire n'importe quoi. Oui, mais c'est pas totalement faux, Mario. Bon, la team, je vous réexplique vite fait avant d'entrer dans la Pat' Patrouille. Par étage, on va avoir une mission et un personnage à sauver. Si cette mission n'est pas accomplie, on ne peut pas passer à l'étage supérieur et le personnage n'est pas libéré magiquement. En fait, une fois que la mission est terminée, le grillage s'ouvre automatiquement. Bref, du coup, c'est parti, la team, let's go. On rentre du coup dans la tour de la Pat' Patrouille et on va aller voir qui est le premier personnage. Ok, let's go. Oh, c'est Luma. Les chiens, mais qu'est-ce que tu fais là, Luma? Ok, Bowser t'a kidnappé. D'accord, ok la team, donc il s'en est carrément pris aux membres de ma famille. Je vous rappelle que Luma Lestia est un membre officiel de ma famille. Bref, voyons voir cette première mission. Mario, nous avons apparemment un questionnaire qui n'a l'air de porter que sur toi, apparemment. J'en ai totalement l'impression. Mario, je pense que tu connais mieux les réponses que moi, mais je vais quand même essayer, d'accord? Tu me corriges si, si jamais j'ai faux. Allez, c'est parti. Ok, ok. La team, dans ce genre de mission, je vous demande toujours votre avis en commentaire. Si vous savez quelle est la réponse, mettez-la maintenant en commentaire. Et tout simplement, la première question, c'est Mario, le film sort le 5 avril ou le 27 mars? Je sais pas, hein. La team, vous en pensez quoi? Je crois que en Amérique, c'est plus en fin mars, mais en France, il me semble que c'est en avril. C'est ça, Mario, si je me trompe pas? Oui, c'est ça. C'est ça, allez, la team, du coup, c'est la bonne réponse, c'est parfait. Si je mets une mauvaise réponse, tout explose et on a perdu. Quel est le jeu de Mario où les Loomas font leur entrée? Ah, bah, c'est parfait, on parle de toi, tu vois. Donc, le jeu Mario, on a soit Mario Galaxy ou soit Mario Odyssey. Mario Galaxy, ça date un petit peu plus que Mario Odyssey, il me semble. Ça date des années 2010 et quelques. Mario Odyssey, c'est du 2019, il me semble. Donc, la team... Luma commence à être un petit peu vieux et on t'a vu dans pas mal de jeux, hein. Donc je ne pense pas que ce soit Mario Odyssey. Dites-moi si j'ai raison, attention 3, 2, 1. Let's go, parfait, on a réussi, c'est Mario Galaxy. T'as eu Mario, je suis fort, hein. Je suis bien les aventures. Oui, c'est ça, par contre ouais. Mario Odyssey s'est sorti le 17, enfin en 2007. On s'en fout. On s'en fout. Ah. Bon, bref, le meilleur ami de Mario est Luigi ou Yoshi? Question piège, j'ai l'impression, parce que attendez la team, Luigi c'est pas un ami de Mario, c'est son frère, donc même s'ils sont très proches, ça peut pas être son meilleur ami. Donc je pense qu'on va plus partir sur du Yoshi. Est-ce que t'es prêt? Attention, let's go. Ok, c'est parfait, toutes les missions sont justes. Est-ce que la cage de Luma est ouverte les amis? On va regarder ça tout de suite. 3, 2, 1, ok, on se tourne. C'est parfait, Luma, tu es libre. Bon bah Luma, tu peux nous suivre pour le reste des aventures, hein. Ouais, je crois qu'il est un peu shooté parce que regardez, il marche. Normalement, Luma, ça vole. Bref, on va passer à l'étage du dessus. Vous pensez que ça peut être qui comme personnage? Moi, je vise Todd. Allez, c'est parti, on part sur du Todd de la team. Est-ce que c'est ça? Oui, let's go. Ok, je suis content parce qu'il y a un Todd en case. Normalement, ça devrait pas être comme ça. Coucou Todd, comment tu vas? Ok, parfait Todd, ok. Bon, Todd, je vais regarder juste ta petite mission. Donc voyons voir. Construire un monstre de Mario. Ok, team, on doit construire un monstre de Mario. Donc dans les monstres de Mario, on a soit Bowser, on a soit les Broodals, on a tous les acolytes de Bowser, donc Wendy, Iggy, tout ça. On va pas construire ça, on va rester sur un monstre simple. En simple, on a quoi? On a les Goombas, on a les Koopas, et moi j'aime bien les plantes Piranha, donc on va partir sur ça. Todd, on revient tout de suite, on va construire ça pour que la mission soit accomplie jusqu'au bout. Donc suivez-moi Mario et Luma, c'est parti, on va se trouver un petit coin où on va faire une plante Piranha, team. Donc Mario, dis-moi, où est-ce qu'on pourrait construire une belle petite plante piranha? Bah moi je sais pas, je te laisse choisir. Bah tu sais quoi, on va la faire à côté de la plage, hein. Moi j'ai envie d'avoir du soleil. Bah non, y'a pas de soleil du coup vu qu'il fait nuit, mais vas-y, c'est pas grave. On va bronzer au clair de lune, c'est parfait. Let's go, on va se mettre là je pense pour faire la plante piranha. Attends, est-ce que la plante piranha on l'a fait contre la falaise ou on l'a fait sur le sable?
contre la falaise. Contre la falaise, bon bah il va falloir nager. J'espère que t'es prêt Mario. Let's go, on va nager la team. Regardez, ouais je nage pas super vite hein. Je nage vraiment pas très très vite. Du coup ce que je vais faire team, je vais rejoindre la falaise qui est juste en face de nous. Et on va construire une plante piranha qui sort du tuyau tout simplement. Je pense que vous avez la référence si vous jouez à Mario. Donc let's go. Je vais devoir m'emparer de petits blocs. Donc pour ceci, heureusement que j'ai mes pouvoirs, on va tout simplement prendre des blocs verts pour faire le tuyau. Béton vert clair, c'est parfait, c'est nickel. On va commencer, je vais commencer à voler. Donc on va faire déjà la forme la team. On va faire comme ça, 1, 2, 3, 4. Attention Mario, je risque de te faire mal, voilà parfait. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. A partir de là, on peut augmenter jusqu'à là les tuyaux. Donc Mario, si tu veux m'aider, c'est avec grand plaisir que j'accepte parce que là je me sens un peu seul. Un peu beaucoup même. Donc let's go, on continue encore. Ok, parfait. Vas-y Mario, continue, continue. Là, on est plutôt pas mal. On est vraiment bien, je pense, sur la team. Vous voyez pas encore ce que je veux faire là, mais vous allez vite comprendre, je pense. Donc let's go, regardez, on monte le tuyau jusqu'au bout. Tout ça pour sauver un Toad, quoi. Non mais sérieux. Donc les teams, on va continuer sur les embouts. Voilà, chaque petit recoin de ce tuyau. Hop, comme ça, comme ça. Et à partir de là, comment on pourrait faire? Oula, j'ai fait quoi là? Ouais, c'est ça, ok. Là, du coup, on va faire un truc en mode comme ça. Voilà, regardez, hop, on fait ça, on fait ça. On va faire en fait tous les contours du tuyau. Hop, comme ça. Là, on va passer devant. Là, on va faire ça. Là, on va passer comme ça. Ok, alors attends, parce que là, je m'y suis perdu. On va faire comme ça. Comme ça, ah c'est compliqué de suivre, j'aime pas la symétrie, c'est horrible. Hop, 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 voilà, là on fait ça, ça, et il me semble qu'on va être bon au niveau du tuyau. C'est ça, ah attends, il y a un truc qui va pas là, non il y a un truc qui va pas, ça me dérange. Hop, c'est ici, voilà, c'est comme ça, hop, hop, il me semble que ça va plus partir sur ça. Non, attends, il y a un truc qui va carrément pas. Si, voilà, c'est bon, j'ai compris la team. J'ai compris, c'est les petites extrémités. Elles étaient pas bonnes, mais là, c'est bon. Donc, on va recouvrir d'un fond tout simplement entièrement noir. Et on va mettre des petites lumières pour faire ressortir un petit peu la plante. Donc, les lumières, on va les prendre vertes. Voilà, hop, on va en mettre une ici. Voilà, une ici. Donc, regardez, on a une belle petite lumière qui fait vraiment un petit reflet vert. C'est vraiment sympa. Là, on va refermer totalement avec du noir. Comme ça, on verra pas le fond. La plante piranha va vraiment sortir de son tuyau. C'est parfait, let's go. Ok, nickel. Là, franchement, on est déjà pas mal niveau du tuyau. Je vous montre, voilà, de l'extérieur. C'est plutôt clean. Et maintenant, on va attaquer, du coup, la plante piranha. Donc, je vais vous faire un petit début. Après, je vais faire un cut à la vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Parce que sinon, ça risque vraiment d'être très très long. Donc, on va prendre deux blocs, tout simplement. On va prendre celui-là et celui-là. Et on va commencer à faire, attends, comment on pourrait faire? On va faire ça, regardez. On va faire ça et on va avancer tout simplement en faisant des petits détours de la plante piranha. Voilà, niveau build, franchement, on gère hein, la team. On est plutôt fort sur ça, nous, on le sait. Donc vas-y, on continue. Là, on passe par-dessous. Nickel. Sur ce, la team, du coup, je vais avancer toute la tige de la plante piranha et même la tête. Et je vous retrouve juste après. La team, je continue à avancer sur notre plante piranha. Regardez donc, là j'ai déjà fait la tige, c'est parfait. Et j'ai commencé la tête. Donc la tête, on va la continuer ensemble. Regardez, pour la tête tout simplement, je vais déjà faire une ouverture pour la bouche. Parce qu'on sait que les plantes piranha, elles mangent hein, tout simplement, elles mangent tout ce qu'elles voient. Donc on continue, hop hop hop, là on fait la petite entrée de la bouche. Hop, c'est parfait, nickel. On continue, nickel. Ok, on va approfondir du coup ce trou qui est plutôt immense d'ailleurs. Voilà, parce qu'elles ont de très grandes bouches, les plantes piranha. Hop, hop, hop. Ça va, Mario? Tu t'en sors de ton côté vu que tu fais carrément rien au final. Mais je ne sais pas comment aider là. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais remarqué. T'inquiète pas, Mario. Merci beaucoup quand même. Hein. Ok, on va continuer ici. Donc là, j'ai fait comme ça. Donc ça, c'est en trop. Voilà, le problème, c'est vraiment la symétrie. Hein. Moi et la symétrie, on est vraiment pas compatibles, je crois. Hop, on va continuer là, 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 là. Ok. Et au pire des cas, si ce n'est pas symétrique, ce n'est pas grave. Hein. On s'en fout. Je m'en fous complètement, hop, et voilà. Donc là, on a un truc qui va pas. On a carrément un truc qui va pas. C'est ici que ça va pas, regardez. Voilà, donc là, c'est déjà mieux. Et là, voilà. Et normalement, là, on est plutôt pas mal en
Non, toujours pas. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. C'est horrible, la team. Bon, au pire des cas, on s'en fout. Voilà. C'est très bien comme ça. On est nickel. Hop, comme ça. Voilà. Là, c'est presque symétrique. Mais toujours pas. Donc, attendez. Voilà. Ok. Parfait. Sauf que là, c'est moche. Oh, c'est vraiment horrible ce que je fais, la team. C'est vraiment horrible. Ok. Voilà. Là, on est bon. On est plutôt bon. Je vais faire comme ça. On essaye de faire un truc quand même plutôt stylé, hein, vu que c'est un défi pour sauver un personnage. Donc on fait un truc beau jusqu'au bout. Voilà, et là je sais pas ce que tu m'as fait Mario, mais t'as placé un bloc où il fallait pas. Parfait, nickel la team. Si c'est toi Mario, je t'ai cramé. Bon, on s'en fout de la symétrie au pire des cas. Après on va du coup reprendre un bloc très très foncé. Donc on va choper ce bloc là, la team. On va rechoper du bloc de la terre cuite noire. Voilà, on va justement faire tout le fond. Est-ce que Mario tu peux m'aider en prenant une torche s'il te plaît? Parce que là je t'avoue je vois pas grand chose. C'est assez compliqué. Merci Mario. Ok, vas-y, fais une belle torche s'il te plaît. Non, pour l'instant c'est pas trop réussi la torche. T'es où Mario? Ouais, non. Ouais, le but c'était vraiment de venir à côté de moi. Vas-y, reste là Mario, ok. Sans m'embêter dans mon build si possible. Voilà, là la team du coup, on a déjà un très beau début. Et on a presque terminé. Pour terminer, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la laine rose. Voilà, donc laine rose pour faire la langue. Hop, let's go. Parfait, on va faire un truc très simple comme ça. C'est horrible parce que la symétrie elle joue pas du tout là, c'est immonde. C'est dégueulasse, bon bref on s'en fout. Hop, on continue, voilà. Et là la team, il va manquer juste du coup de faire des petites tâches. Voilà, comme ça, un petit peu partout sur le corps de 3 blocs environ. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que vous savez qu'elles sont rouges et blanches, hein, les plantes piranha, vous le savez je pense. Hop, let's go, on continue. Et là on est plutôt bon, on va s'en mettre un petit dernier juste là. Voilà, ok. Et du coup le dernier, la team. Pour le dernier on va juste mettre des vitres blanches afin de représenter les dents. Hop, on va partir comme ça. Comme ça, comme ça. Et non pas comme ça, c'est moche. Hop, on va plutôt faire comme ça. Et là comme ça, voilà, nickel. Et là, notre plante piranha est presque terminée. La seule chose qui manque, la team, c'est une petite lumière rouge, voilà, qui va me faire plaisir à moi tout seul. Hop, on va la mettre juste là, comme ça. Hop, voilà, elle prépare une petite boule de feu. Elle prépare à enflammer, à mettre de l'ambiance. Et la team, nous avons terminé notre plante piranha. Bref, sur ce, normalement, la cage du Toad s'est ouverte. Donc on va pouvoir aller voir ça. Je vais pouvoir voler pour aller plus vite. Parce que là, je vous avoue que du coup, c'est assez galère. Donc tout le monde, vous pouvez me suivre. Moi, je vais balancer les blocs, voilà, qui me restaient. Et on va voir si le Toad est bien libéré. Normalement, sa cage est ouverte toute seule. Donc allons voir ça tout de suite, la team. Let's go, on passe à travers les flammes. On va remonter juste là. Ok, oula, je galère. Oula là là, je galère. Ok, c'est parfait. Let's go. On va voir si ça s'est ouvert. Et attention, let's go. Ok, Toad, tu es libre. C'est parfait. Du coup, Toad, je te laisse. Y a pas de souci, mon petit Toad. Je te laisse partir par les escaliers et fuir très très vite ce vilain Bowser. Sur ce, la team, nous on a libéré Toad et on va passer à l'étage du dessus. C'est parti. Allez, la team, c'est parti. On va monter à la prochaine étage. Au prochain étage, tu peux arrêter avec tes champignons, s'il te plaît, Mario. Allez, let's go. On monte, let's go, c'est parti. Et voyons voir la team à qui on va avoir affaire. Et Luigi, Luigi, comment tu vas? Bah, t'as pas l'air d'aller très bien étant donné qu'il y a de la lave de partout. Comment ça va, Luigi? C'est vite. Ça va. C'est oh Luigi, tranquille. Allez, ok. Allez. Luigi, je vais faire fondre les grillages, d'accord? Tu vas vite fuir, d'accord? Ouais. Allez, let's go. Ouais. 3, 2, 1, hop, on fait fondre le grillage. Ok, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Ok, si, ok. Ok, vas-y, on continue. Ok, on y est presque. Et let's go. Oula, oula, j'ai mis un peu le feu. Ok. Merci. Luigi, tu peux sortir, t'as l'air aigri aujourd'hui. Bah, tu sors, tu sautes et tu suis ton frère. Voilà, non, Luigi, non, mais non, mais il va cramer. Bon, Mario, je suis désolé de te le dire, mais ton frère n'est plus de ce monde, hein. Bon, c'est pas mon problème. Bah, ça se trouve, il avait d'autres vies, hein. Ouais, bah, peut-être, c'est peut-être un chat, il a peut-être 8 vies, non, 7, bon, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, Luma Lestia, il est parti où? Je crois qu'il s'est cassé, là, Luma Lestia. Bon, on s'en fout, on continue, let's go, on passe par là, on chope la petite échelle, et on va directement aller à l'étage supérieur. La mission était très rapide, hein, sauver Luigi, c'était super vite. Ok, on passe là, fais attention Mario, ok. La patrouille était sauvée. Et là, ouais, non, il a pas du tout été sauvé, mais vas-y, c'est pas grave. Ah, Baluma, t'es là, coucou. Bon, du coup, oh, Wario? Mais qu'est-ce que. Depuis quand Wario, il fait partie de la. Vraiment de la saga?
Ok, ça. Et ça... bah elle a toujours fait partie de là. Ouais, bah bref, bizarre. Ça va, Wario? Ok, pas de réponse. Il m'a l'air d'être plutôt ancré dans le grillage. Bon, très bien, merci Wario. Ramenez le Luma mystérieux en haut de l'observatoire. Mais non, mais ça veut dire qu'il faut encore que je sorte et... Bon, Wario, tu bouges pas, je vais faire ça. La team, il faut que j'aille à l'observatoire d'harmonie. Donc Mario, tu peux m'accompagner. On va aller chercher le Luma mystérieux. Donc le Luma mystérieux, c'est celui qui est de couleur noire, tout simplement. Donc on va aller le choper et on va le ramener. Et normalement, ça devrait ouvrir la cage, hein, une fois que je l'aurai en main. Donc let's go, on va aller le chercher. Je vais me débarrasser des champignons que Mario m'a donné. Hop, c'est parfait, tu suis Mario, tu suis le move. Je suis là. Vas-y, nickel. Donc pour rappel, pour aller à l'observatoire d'harmonie, il faut passer par le château de Peach, la team. Donc l'observatoire est en train de charger, vous le voyez, il arrive et nous on va directement y aller. C'est parti, let's go. Luma Lestia, il est avec nous? Non, toujours pas, je sais pas ce qu'il fait, c'est pas grave. Ok, let's go, on passe ici, on va là. Donc on a bien vu qu'il y avait pas Peach, hein. Je pense que Peach justement a bien été kidnappé par Bowser au dernier étage. Let's go, on va à l'observatoire. Nickel. Ok, donc il faut prendre le Luma mystérieux tout en haut de l'observatoire. Donc c'est pas celui-là, c'est un autre. Il faut monter là. Mario, tu m'as suivi, c'est bon. Luma, je l'ai vu aussi. On monte ici et là il faut que je trouve toutes les bonnes plaques, parce que je vous avoue c'est assez compliqué. Il me semble que ouais, il faut aller là, salle des machines. Let's go. Et là normalement c'est cette plaque ici, voilà, juste là. Et non, ok, la team, je suis tombé. Ok, je saute, c'est parfait. Bon, je sais pas grave, je vais continuer. Donc c'était pas salle de jeu, on retourne là-bas. Let's go. Encore, je fais un petit détour, je me suis fait très mal à la cheville en plus en tombant. C'est pas grave, vas-y. On reprend à partir de la salle des machines. Et là, voilà, on va monter au jardin en faisant attention. Et normalement, le Luma mystérieux, il est juste là, je le prends. Regardez, il est dans ma main. Hop, je l'ai juste là, c'est parfait. Et on va retourner tout simplement à Pat' Patrouille. Et normalement, la cage s'est ouverte, donc on va aller voir ça. Donc let's go, on redescend, on passe par là. On passe étage numéro 1. Ici, c'est quoi? Salle des machines, non, je sais pas par où on passe. Attendez, je me suis perdu, c'est horrible. Je me suis carrément perdu. Ok, Luma, tu sais pas par où on va? Ah si, c'est par là, attends. Ok, observatoire, et let's go, on va retourner sur le château de la princesse Peach et aller voir du coup la Pat' Patrouille. Donc d'ailleurs on a une très belle vue de la Pat' Patrouille, regardez, elle est juste là, franchement très grande, hein, elle est massive. Allez, let's go, on y retourne. C'est bon Mario, tu suis le mouvement? Oui, c'est là. Allez, c'est parfait Mario, nickel. Donc on arrive bientôt à la Pat' Patrouille, pourvu que la cage soit bien ouverte et que Wario tout simplement puisse s'évader, parce que là c'est vrai que ça commence à être chaud. Bref, je pense qu'il va rester plus qu'un étage après Wario. Est-ce que vous savez qui il va y avoir à cet étage? Et moi je pense que Bowser a bien kidnappé la princesse Peach, hein. On va aller voir ça tout de suite, mais ça m'étonnerait que ce soit le contraire. Donc let's go, on va remonter, on va se refaire tous les étages un par un. Ok, là je galère encore. Wow, mais c'est horrible. Ok, on continue de monter. Je déteste ces tourniquets. Et là, donc, on va reprendre l'échelle. Voilà, la petite échelle. Et on va remonter tout en haut. Sans voler, on essaye de jouer le défi. Hop, on passe là. Donc, il faut que je fasse gaffe. J'ai toujours un Luma dans ma main. Ok, let's go. Ok, c'est parfait. Là, on passe sur l'échelle. On remonte. Nickel, on passe ici. Mario, je te vois galérer un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Hop, et là, on arrive bientôt à Wario. Est-ce que sa cage est ouverte, la team? On va le voir tout de suite. Ok, et Wario, c'est parfait, il est là. Donc Wario, tiens, je te donne le Luma et tu te débrouilles. Très bien Wario, allez, je te laisse courir, tu vas vite en dehors de la Pat' Patrouille, d'accord? Ok, c'est parfait. Donc qu'est-ce que tu fais Wario? Tu veux sauter par la fenêtre? Tu peux sauter par la fenêtre, tu veux? Non, tu préfères prendre les escaliers? Je sais pas, t'as pas l'air de passer. Je suis pas sûr que tu passes. Tiens, saute par la fenêtre. Tu vas voir, c'est vraiment drôle de sauter par la fenêtre. Allez, bisous. Ok. Il l'a vraiment fait, non mais sérieux. Allez, la team, c'est parti. On va au dernier étage. Êtes-vous prêts à peut-être voir Bowser? Let's go, team. Ah, non mais... bah, attendez, c'est une trappe en fer. Quelqu'un aurait un levier par hasard? T'as un levier, Mario? S'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que t'as un levier. Sinon, je vais devoir faire appel au... Il y en avait une dans la cage. Il y en avait un dans la cage. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, mon Dieu. Bon, vas-y, on prend le levier. Il est passé où? Hop, il est là. Hop, regardez, en plus, j'en avais déjà un. Non, mais sérieux, quoi. Je suis fatigué, team. Mais non, mais pourquoi la cage s'est ouverte? Sérieux? Bon, vas-y, on libère. Regardez, l'observatoire, il est immense, la team. C'est dingue. Bon, bref. Et let's go affronter Bowser et sauver Peach. On a un command block, donc qu'est-ce qui va se passer? Attendez, let's go. Ok, on est où là? On est au château de Bowser, la team. On est arrivé au château. Est-ce que du coup Bowser est sur sa salle de trône et Peach est dans sa prison? On va le savoir tout de suite, la team. Regardez, il est là. Donc
que l'affrontement commence. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. C'est parti, let's go. On affronte Bowser. C'est parti, la team. Ah ouais, bah là, il est pas content, là. Là, il est pas content. Ok, vas-y, viens, Bowser. Viens, vite, vite, vite. Ok, ok. Non, non, il s'approche dangereusement de moi. Il s'approche très dangereusement de moi. Oh, la team. Oh là là. Oh, il y a du feu de partout. Ok, ok. Oh, il est pas content, Bowser. Il est pas content. Allez, je pense qu'il est bientôt à bout, vu les cris qu'il fait. Ok, let's go. Allez, viens là. Non, mais sérieux. Aïe, aïe, aïe. Ça brûle, le feu, ça brûle. Ok, vas-y, vas-y. On approche, on approche. C'est parti, la team. Je pense qu'on est presque bon. Ok. Encore un petit peu. Est-ce qu'il a disparu? Ça y est, la team, on a vaincu Bowser. Et maintenant il faut aller sauver Peach. Donc let's go, allons-y, on n'a pas de temps à perdre. On va passer par... non, c'était par où déjà? Ah, c'était là, c'était à gauche il me semble. Voilà, donc on va essayer de trouver des endroits qu'on n'avait pas vu dans la dernière vidéo. Donc là on a quoi? On a un petit salon, tranquille pépère. Nickel, vas-y, on va monter. On monte, on monte, oh toujours ces horribles escaliers. Oh, je les aime pas ces escaliers. Ils sont horribles, la team. Ok, vas-y, je monte, je monte, je monte. On continue, là on arrive. Et voilà, à la chambre du coup des acolytes de Bowser. Donc Lemmy, Larry, Iggy, bon, vous les connaissez je pense. On peut continuer à monter et normalement la chambre de Peach est juste là. La team, elle est ici. On va voir. Est-ce que de quoi? Allez vite. Oui, bah oui. Ok, j'ai vu sa chevelure. Let's go. Ok, vite, Peach, sors avec nous. Vite, 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 Peach, il faut sortir, il faut sortir. Déjà, est-ce que tu vas bien, Peach? Bah oui, toi. Oh, bah ouais, bah logiquement t'es enfermé donc tu vas pas très bien, mais vas-y, moi ça va. Bon. Bah, je vais me sortir, donc oui, ça va. Ouais, bah oui, du coup, oui, c'est sûr. Bon, bref, vas-y, suis-moi, Peach. On va sortir de là au plus vite. On va vite sortir de ce château. J'adore parce que mes vidéos Pat Patrouille, moi, elles ressemblent plus à des vidéos Pat Patrouille. Genre, vraiment, la Pat Patrouille, elle fait un quart de la vidéo, quoi. Bref, on descend. Là, on arrive, la team, du coup, justement, à l'industrie des Koopas. On va pouvoir ressortir et là, on n'aura pas d'embêtement avec Bowser, tout simplement. Sortez, sortez par là. Et sur ce, la team... C'est quoi ce bruit? Non, mais Mario, c'est pourquoi... les Koopas. Bah oui, non, c'est pas les Koopas. Tiens, Peach, vas-y, remonte, remonte, vas-y, let's go. Ok, hop, on sort, on sort, on sort. C'est parfait, la team. Sur ce, du coup, nous, on a réussi à affronter Bowser qui a chopé la tour de la Pat Patrouille. Sur ce, la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit abonnement, le like et le commentaire, bien sûr. Et un grand merci à tous les acteurs qui étaient présents. Sur ce, la team, c'était DK. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.